Alors, l'exemple 9.5. Une voiture de 1 800 kg arrête à un feu rouge et frappée à l'arrière par une voiture de 900 kg. Les deux voitures demeurent prises ensemble et sont en mouvement sur la même trajectoire que celle de la voiture initialement en mouvement. Si la plus petite voiture était en mouvement à 20 mètres par seconde avant la collision, quel est le vecteur vitesse des deux voitures prises ensemble après la collision? Qui peut me dire, qui peut m'expliquer un peu, Chambisiron? Voilà, comment je dois résoudre? J'ai une voiture M1 de 1 800 kg. Elle arrête au feu rouge. Elle fait un Zéro. On est basé à 4 jours à 0. Ok. V2, R. Ok. Basé à 9 notations, M2, la voiture. Alors, V2, elle est égale à 0. Là, non, elle est au repos. Elle est frappée par une autre voiture, M1, qui a 900 kg et qui se déplace à une vitesse V1. Heidel M1, Heidel vitesse V1. Il faut déterminer V1, module tabac, il est 20 mètres par seconde. OK. Il faut déterminer les vitesses des deux voitures après la collision, sachant qu'après la collision, les deux voitures se collent ensemble. Donc, V1i, on a un initial, ou V2 initial. Dans le cas final, ça sera M2 ou M1. Avec la même vitesse. C'est un choc complètement chaud. Inélastique. Je sais que nos se déplacent ensemble. Alors, comment je dois trouver la vitesse finale? Il faut toujours dire que le système formé par M1 et M2 est un système fermé, est un système isolé. Alors, il faut toujours mentionner que M1, M2 est un système isolé. Implique delta P est égal à 0. Alors, P final est égal à P initial. OK? Delta P est égal à 0. Le système formé par ces deux particules est un système isolé. Alors, delta P égale à 0, PI égale à PF. PI, c'est M1 V1I plus M2 V2I, il y a 0. Alors, M1 fois V1I plus M2 V2I égale à M1 plus M2 VF. On est bête là, on a fait le calcul dans le cas général. Comme je n'ai qu'à une valeur algébrique là, انتو فيكم تعملوا لي بروجيكسيون دغري وتحطون ما راح يغير بشي. Alors, la vitesse finale sera est égale. OK, M1 sur M1 plus M2, ça va contre la valeur algébrique, V1i. OK, elle est mesure algébrique. Ça? Alors, je vais trouver V1i dans quelle direction? Dans la direction positive. La kena m'a fait machkal pchil là. La kena plus 20 ou pchil haïde. OK. Makon M1, makon M2. OK. Ouais, M1 plus M2. Ou makon VI. Il y a 20 mètres par seconde. Alors, vous pouvez trouver VF. ماشي الحال هون بدنا ننتبه انه على كل الكيات اللي عم ندرسهم هن ستان شوك ا اون سول ديمونسيون
مثل ما بتشوفوا الفيتاس على طول على ديريكسيون واحدة، يعني ما عندكم دو بارتيكول شوك ان دو ديمونسيون، مثلا بيكون عندكم اون بارتيكول كي ان سيت فيتاس وبارتيكول ثاني عندها هيدا الفيكتور، اوكي فيتاس. هون سيت ان شوك ان دو ديمونسيون، الفيكتور فيتاس de chaque particule un de composants x ou y. Donc, on va limiter notre étude pour les chocs à une seule dimension. Est-ce que vous avez des questions avant de continuer? Non. Ça va? Oui. Yeah. Le deuxième exemple. Le pendule balistique est un dispositif utilisé pour mesurer la vitesse d'un projectile rapide comme une balle de fusil. Un projectile de masse M1 est tiré dans un gros bloc de bois de masse M2 qui est suspendu à des fils légers. Le projectile pénètre et demeure dans le bloc et tout le système se met en mouvement et monte d'une hauteur H. Comment peut-on déterminer la vitesse du projectile à partir de la mesure de H? هون شو عندي بهيدا الاكزرسيس؟ انا مون بوت اي دو ميزوري لا فيتيس هون دو بروجيكتيل، اوكي؟ جيتوا انتوا وقوصتوا هون طلع عندكم رصاصة افيك اون فيتيس في 1 1، كومون فو بوفي كالكولي لا فيتيس دو سو بروجيكتيل؟ هيدي سي اون دي ميثود. On a un bloc en bois attaché au mur avec deux cordes. Ok, bien j'ai le projectile, bien foot le bloc en bois. Ça retient un seul système, il se déplace à la même vitesse et le bloc avec le projectile monte d'une hauteur H. Comment je peux déterminer la vitesse du projectile? Yalla, شو رأيكم؟ Qu'est-ce qu'il faut faire ici? شفنا نحن dans le chapitre يلي قبل انه انا هون عندي ان ايتات انيسيال وهون عندي ان ايتات فينال وهون je peux faire la conservation de l'énergie mécanique entre ces deux états ou بقدر اعمل détermination لل V1I. Parce que le problème est de savoir la vitesse finale. Right? Alors, il faut tout d'abord déterminer la vitesse finale dans cet état. Yani, بعد ما le M1 fait بال bloc M2 ou مشيو اتنيناتهم avec une vitesse VB. OK? هون le système bloc projectile avait une vitesse VB et il avait une hauteur 0. هون projectile bloc عنده une vitesse 0 لانه وصل à la hauteur maximale ou رجع نزيل وعنده une hauteur H. Alors c'est facile de calculer la vitesse. OK? Yeah. بجيب ال VB من ال VB برجع بجيب ال VA ما في مشكلة. مي maintenant pour déterminer VB هون il faut شو qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour déterminer VB? انا هدف الاساسي اعمل ديترميناسيون للفيتاس تبع الرصاصة اللي انا بعتها مظبوط. بس تقدر اعمل ديترميناسيون لهي انا بحاجه اجيب الفي بي دو سيستم دغري قبل ما بلش يطلع لون هوتر اش. هلا بانتر سي دو بوان هيني جابليك كونسرفاسيون دو لينيرجي ميكانيك. هون كاس كيل فو فير بور ريليي في بي ا في ان ا؟ انتر هذاك الاكزرسيس شو؟ جو كونسيدير مون سيستم formé par le projectile et le bloc en bois comme un système isolé. OK? C'est un système isolé, c'est le cas d'un choc parfaitement inélastique
où les deux masses M1 et M2 collent ensemble et se déplacent à la même vitesse VB. Yani hone ana andi iza batkun haydi la masse M1 anda une vitesse V1A. هون عندي une masse M2. أول شيء عنده V2. Elle est égale أو إذا بدكم خلاص دغري رح حطها V2A. Elle est égale à 0. صح؟ إجا البروجيكتيل فات بالبلوك en bois. تنيناتهم مشيو avec une vitesse VB. يعني هون تنيناتهم مشيو avec la vitesse VB. Déterminons VB. Alors, je peux appliquer la conservation de la quantité de mouvement, OK, au système formé par M1 et M2. Alors, PI égale à PF. PI, c'est M1 V1A plus 0. Là, non, le bloc and wave qui est égal à M1 plus M2 VB. OK. Et vous pouvez facilement déterminer VB qui est M1 sur M1 plus M2 V1A. Bien sûr, on donne cette direction. On est peut-être là au V1A ou V1B. OK? Yeah. Maintenant, déterminons l'énergie cinétique du système juste après la collision. On est basé pour déterminer. Il faut déterminer l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle. L'énergie cinétique du système après la collision, c'est 1/2 M1 plus M2 VB au carré. OK. Zabatkun. Puis on traite tout en fonction de VA. Et qui devrait être le VA, le V1A, la conservation de l'énergie mécanique. Là, l'énergie cinétique du système en ce point dans l'état B, on l'a calculé. OK, يعني انا هلا بدي اعمل conservation de l'énergie mécanique entre cet état et cet état. اذا بتلاحظوا انه M1 sur M1 plus M2 هي اصغر من 1. لكن هون l'énergie totale du système elle a diminué. OK, يعني هيدا inélastique. OK. لأنه بس بالكوليزيون إلاستيك الانرجي سيناتيك رست كونستانت. هي 1/2 M1, M1 plus M2. هيدا الفاكتور أصغر من 1. يا. هلا. Pour trouver une relation entre H et VAA, je vais prendre EPP égale à 0 mon niveau. OK. Maintenant, on va prendre les deux états, l'état B ici et l'état C en haut et appliquer la conservation de l'énergie mécanique du système. Elle est constante entre ces deux états. Alors, KB plus UB égale KC plus UC. KB, je l'ai déjà calculé, c'est 1/2 M1 plus M2 VB carré. On a already jeté en fonction de V1A. UB, elle est égale à 0. KC, elle est égale à 0. Là, nous, là, on est système, c'est la hauteur maximale. UC, il est M1 plus M2 fois G fois H. Alors, vous remplacez et vous pouvez déterminer V1A en fonction de H facilement. OK? Alors, là, il y a les mêmes qu'on les a. تركها في بي يعني ما حط هيدي كلها حط 1/2 M1 plus M2 VB ما في مشكل تلاقوا ال VB بترجعوا من الإكواسيون يلي طلعناها قبل ولا رمبلاسي هون اوكي ورمبلاسي VB هون وبتلاقوا VA هي زيت عندكم يلي عملته أنا بس جي رمبلاسي دي لو ديبي اوكي. Est-ce que vous avez des questions? C'est un exercice très important. C'est une méthode très simple pour savoir déterminer les vitesses des projectiles. Michel Hall, maintenant des questions.
طيب راح تخلص هيدي السيشن. يلا 2 مينوت دو ريبو ونرجع تنحل الاكزامبل 9.7. وي حدا عنده كويستيون؟ وين اخر شيء؟ يلا قل لي وين. هون هون دلتا او ايجال ازيرو، هيدا من الشابيتر اون افيو دون لو شابيتر 8. هون بما انه لو سيستيم عندكم هلا انا جو في براندر لانستان جوست ابري كو لو بروجيكتيل انتر دون لو بلوك. اوكي هيدا السيستيم ستان سيستيم ايزولي، نحن شفنا بالشابيتر قبل دلتا او دو سيستيم يلي هي دلتا او ميكانيك بلس دلتا او انتر اللي اتيغال ازيرو لانه السيستيم ايزولي، صح؟ بما انه ما في فروتمون يعني دلتا او انتر هي نول، يعني دلتا انرجي ميكانيك دو سيستيم اللي زيرو، يعني الانرجي ميكانيك دو سيستيم اي كونسيرفي، يعني الاو اللي